Alors, nous sommes arrivés d'Af Lamed Zayin de Sota pour le mercredi 20 Kislev. Mercredi 20 Kislev d'Af Lamed Zayin. Il nous restait les deux dernières lignes, Lamed Vav Amud Bet. Yehuda Mahi. Quand on a vu que Yehuda, il a fait Kiddush Hashem, la Gemara va nous développer cette idée de Kiddush Hashem qu'Yehuda a fait. Netanya. La Breta enseigne. Aya Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir disait. Quand Israël était devant la mer rouge, les Shvatim, les tribus entre elles, elles étaient en train de se battre, de se disputer. Chacun disait, moi je veux aller en premier dans la mer, je veux rentrer comme ça dans la mer le premier. En fait, finalement, c'est la tribu de Binyamin qui a sauté alors que les autres étaient en train de discuter. Il a sauté le premier en pleine mer. Il dit, comme le passage qui dit dans Télim, là-bas, Binyamin Sa'ir le petit Rodem, la dit, il ne faut pas lire Rodim, mais Radiam, il est descendu dans la mer. Seulement, les princes de Yuda, ils étaient en train de leur jeter des pierres. Pourquoi eux, ils ont commencé avant? Shneemar, Sari, Yehuda, Vir, Mata. Donc, ils leur jetaient des pierres. La Gemara dit, il est fait rare, puisque Binyamin, il a sauté le premier dans la mer. Zaha, Binyamin, Hassadir, Wina, Asaosh, Pizchan, Legvura. Binyamin, il a donc eu le mérite d'être l'hôte, H-O-T-E, l'hôte de Hachem, c'est-à-dire celui qui va abriter donc, dans son territoire le Beit HaMikdash. Shenemar Oven Ketefa ou Shachen. Comme le passage dit, donc, la Shena va résider au Ben Ketefa entre ses épaules. C'est à l'endroit donc, où on a construit le Beit HaMikdash. Ça, c'est l'idée de Rabbi Meir. Amal le Rabbi Yehuda le Chachem. Viens Rabbi Yehuda lui dire à Rabbi Meir, non, c'est pas comme ça. Chacun, il disait au contraire, les tribus, ils disputaient chacun, ils disaient, moi je ne descends pas le premier à la mer, moi je ne descends pas. Et c'est là où, c'est là où Nachshon ben Aminadav de la tribu de Yehuda, lui, il a sauté en premier. Sheneemar, Sevavuni bechash Ephraim, Uvmir Mabit Israël, Yehuda odra daim el. Il a dit le passage qui m'a entouré Ephraim et avec Mirma et d'Israël. Véhuda andra d'Aim El, et c'est Yehuda qui est descendu. Et c'est à propos de Yehuda justement que la Kabbalah, donc dans le passage là-bas, dans Tehillim, il dit Hoshéen et Elohim, qui va au même Adnafesh. Et Yehuda il priait Hachem et disait protège-moi, sauve-moi, car l'eau est arrivée jusqu'à l'âme. Tavat et Beven, mais Solav et Mahomad, Begomer. Donc je me suis noyé dans cette metzola, c'est-à-dire donc il y a une grande mer. Altishtefen et shebolet maim, ou altivnaren et metzola, que l'eau ne me noie pas et que la vague ne m'absorbe pas. Tout ça c'était donc Yehuda. La Gemara dit, beotasha à ce moment-là, haya Moshe ma'alech bitfila. Moshe Rabbeinu était en train de prier, alors que donc Yehuda il saute dans l'eau, les autres ils disputaient. Alors Hashem il a dit à Moshe Rabbeinu, quoi, mes chers, ils sont en train de se noyer dans l'eau et toi tu es en train de prier, de rallonger dans ta tefila. Alors la Gemara dit, Amal et Fanor des bonnes choses. Alors Moshe Rabbeinu il répond à Hashem, maître du monde, on m'a bien dit la rasoute, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si je ne prie pas, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Amalo. D'abord, le béni Israël, lui, il sort. Il dit, bah, dire au béni Israël qu'il rentre dans l'eau. Mais attends, allez, maintenant, t'es rentré à travers Gomer, et toi, tu lèves ton bâton et tu tends ton bras. Et c'est là où il y aura, bien sûr, le miracle de la division de la mer rouge. Les Ferrar, pour cela, donc, Zaha, Yehuda, la Rasot, Mimshala, Israël. C'est pour cela que Yehuda, il est devenu, donc, lui, le commandant, on va dire comme ça, les rois se viennent de Yehuda. Shenemar Haïta Yehuda le Kocho Israël Mamshelotao. Dans là-bas, dans Télim, il a marqué Yehuda, il était le Kocho de Kaddisho, il a été sanctifié le nom d'Hachem. Du coup, Israël Mamshelotao, c'est lui qui est devenu le roi d'Israël.
Matam, c'est ce que dit la Gemara. Matam ha'eta Yehuda le kadesho. Oui, Israël même chez l'autre. Pourquoi donc le Yehuda est devenu comme ça? Mishom de hayam la avayanos. Parce que donc la mère, elle a vu ça et elle s'est sauvée. Et donc il y a eu la division. Vient maintenant la Gemara, elle parle, donc on revient sur l'histoire de Brachot et Klalot que les Bnei Israël ont fait dans le mont Gerizim et mont Eval. Tania, Rabbi Eliezer ben Yaakov, Omer, il dit Rabbi Eliezer ben Yaakov, Yifcha loma levi lemata, shekva nema lemala, oui, Yifcha loma lemala, shekva nema lemata, haketzat. Alors il dit Rabbi Eliezer ben Yaakov, on ne peut pas dire que la tribu de Lévi était dans la montagne puisqu'il y a marqué qu'eux étaient en bas. D'un autre côté, on ne peut pas dire que Lévi était en bas puisqu'il y a marqué que Lévi était en haut puisque Moshe Rabbeinu il a écrit Elle est en dehors de la Kelana, etc. Shimon vit Lévi Yehuda. Donc, donc tu vois bien que Lévi était sur la montagne. Alors comment? D'un côté, on nous dit que Lévi était en haut. D'un autre côté, on nous dit que Lévi était en bas. Comment on peut expliquer cela? Ah, qu'est-ce que c'est? La Gemara répond, « Zirne kehona ou lui yalemat, ou yach alemala. » Il dit la Gemara, les sages des Kohanim et Levim, eux, ils étaient en bas, et tout le reste de la tribu, ils se maintenaient en haut, dans la montagne au-dessus. Ah, la Gemara dit, ensuite, Rabbi Yoshia, il donne une autre explication. Omer, kol haraoi le sharet le mata, wesh alemana, tous les levim qui étaient aptes à servir dans le Beit Hamikdash, donc c'est-à-dire entre 30 et 50 ans qui portaient l'arche, comme il a dit Rashi, eux ils étaient en bas, les autres ils étaient en haut. Rabbi Omer, elo va elo le mata hen abdin. Rabbi dit en vérité, tous les deux ils étaient en bas, ils n'étaient pas en haut. C'est-à-dire entre les deux montagnes. Et en vérité, c'est-à-dire que même les Bnei Israël et les Lévites, tous, ils étaient en bas. Il n'y a pas personne qui était au-dessus de la montagne. Et donc, après, ils se sont orientés vers Gerizim, ils ont commencé le Brachot. Après, vers Eval, ils ont commencé le Klalot. Et la Gemara a dit, voilà, il est marqué Aal. Comment tu expliques ça, hein? Le mot « al », ça ne veut pas dire « au-dessus », mais ça veut dire « à côté ». Comme on voit d'ailleurs dans plusieurs endroits, que le mot « al » signifie « à côté », qui est détanéa. La Braïta a dit « dans le Sulhan de Nehama Panim, il y a marqué « al ha-ma'arekhet », c'est pas « al ha-ma'arekhet », c'est pas où il y a « au-dessus du pain » qu'on mettrait les « vuna zaka » les encens, mais « à côté ». Rabbi Omer Al Besamour, Ata Omer Al Besamour, et non Al Mamash. Ralma a dit peut-être que Al c'est au-dessus, pourquoi tu dis que c'est à côté? Alors il dit que c'est Omer, mais ça côté Al Haaron, Rabbi Omer Al Besamour. Comme il y a un autre passou qui dit, mais ça côté Al Haaron, et ta parochet, tu mettras au-dessus de l'arche le rideau, or le rideau il n'est pas au-dessus de l'arche, il est à côté. Donc tu vois bien que le mot Al signifie donc de temps en temps à côté. Donc ici aussi, ce sera à côté. Toujours à propos de ces bénédictions et malédictions sur mon Gerizim et Eval, Afrof et Nehem, qui la paix had Gerizim, ou Fatrof, Bivracha, ou Cholé, etc. Tano Rabbanan, Haramim, Ansem. Baruch Bichlan, Baruch Bifrat. Arud Bichlan, Arud Bifrat. On voit que dans les bénédictions, comme dans les malédictions, il y a eu une bracha générale. Baruch Hashem, Yakim, était devenu Torah Zot. Et après, on a vu Baruch, plusieurs Baruch, chacune des mitzvot. Là-bas, la liste qui est marquée dans la paracha. La même chose dans les malédictions. Adour, Hashem, Lo, Yakim, et Devdat, on a Zot, ça c'est général. Et après, Adour, 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 donc les différentes Arurim qui sont marquées là-bas. Ça c'est donc, on a quatre fois. D'un autre côté, c'est marqué dans la Torah, l'Ilmod, ou le Lamed, le Shmod, Vela, Asot. La Torah, il faut l'étudier, il faut l'enseigner, il faut l'observer, et il faut la pratiquer. Hare, Arba, ça fait donc qu'il y a quatre. Pardon. Donc, Alba ve Alba, Hadesh Mone. Puisque il y a Alba, donc ici, quatre commandements. On a quatre commandements étudiés, enseignés, gardés et réalisés. Et après, on a
le Baruch Bechlal, Baruch Bifrat, Adou Bechlal, Adou Bifrat, Bifrat, ça fait 8. Ça fait que Shmona ou Shmona, Hare Shesh Asre. Ça fait que en tout, on a 16. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 alliances. 4 alliances. Pour. Alors d'abord, la Gemara dit Abba, Abba, Hare Shmona. On a 4 plus 4. Pour chaque mitzvah, il y a 4 éléments différents. Puisqu'il y a l'ilmod, l'ilamed, le shmod et la asot. Donc ça fait 4. Maintenant, pour chacune, voilà, et pour chacune, on a. Baruch Berlal, Baruch Befrat, Adou Berlal Befrat. On touche, Mona ou Shmona, Adé Shesh Asre. Ça fait que pour chaque maison, on a 16, on va dire 16 commandements différents. Vechen Bissinai, Vechen Be'avot Mo'av. La même chose comme cela, ça a été répété au Mont Sinai et aussi à Avot Mo'av. Sheneemar, Ele, Devrei Haberit, Asher Tzeva Adonai, Moshe Veromer. Ça, c'est quand Moshe Rabbeinu, il a parlé, donc cette, au début, Be'avot Mo'av, Urtiv, Ushmatim, Devrei Haberit, Asher de Gomer. À la fin, Moshe Rabbeinu, à la fin de Parashat Devarim, il leur dit ça de nouveau. Nimsa, Mahbeditot, encore nous sommes ça. Ce qui fait que pour chaque mitzvah, il y a eu 48 alliances, puisqu'il y a eu 16 fois pour chaque mitzvah, et comme 16 fois ça a été répété à 3 endroits différents, alors ce qui fait que on a ici 48 alliances en tout et pour tout pour chaque mitzvah. Puisque 1 c'est dans mon Gezim Aival, 1 au Mont Sinaï, et 1 Be'avot Mo'av avant que Moshe ne disparaisse. Ça fait 48. Alors, Rabbi Shimon, Motsi Al-Gedizim Al-Rival, Mahnis Ulman Shibamedba. Rabbi Shimon lui dit non, Al-Gedizim Al-Rival, c'est pas une, ça compte pas comme une fois. Là-bas, on n'a pas donné la malédiction et les bénédictions, donc tout, comme, tous les, enfin, sur toutes les mitzvot. Seulement les quelques cas que la Torah a écrit là-bas. Par contre, à la place, il met Ohel Moed. Et donc, ce qui fait toujours 48. Seulement, tout ça entre Rabbi Shimon et Tanakama, où vivent leurs têtes et Hané Tana. Ils sont dans le mahlok de ces Tanaïm-là, des Tania. Rabbi Shimon Omer, Klalot Nemdou Bissinay Fatot Be'on Moed. Rabbi Shimon lui dit, Klalot, les généralités, ont été dites à Sinaï. Ou Fatot Be'on Moed. Et les détails de toutes ces mises-fonds, ça a été fait à On Moed. Via Rabbi Akiva dit, non, Klalot ou Fatot Nemdou Bissinay. Et ne chobe on moed, mais ne chobe à votre moed. Donc Rabbi Akiva dit non, aussi bien les généralités que tous les détails, ils ont été dit une fois au Mont Sinaï. Ils ont été répétés une seconde fois dans on moed, et ils ont été répétés une troisième fois dans votre moed. Et, bien les rats, quand les vannes me sont, me sont, je suis tout à bâtonna, je le n'ai pas donné, ben, moi je me l'ai brito. Il n'y a pas donc une mitzvah pour laquelle il n'y a pas eu, au total, 48 alliances différentes. Rabbi Shimon ben Yehuda, la Gemara vient et continue, elle donne l'avis de Rabbi Shimon ben Yehuda. Ish kfarako, il dit, Amar Mishum Rabbi Shimon, il dit, En lecha mesom mesachem ki tova betona, se nun echdeto aleha ba'i mishum nevedetot. Il n'y a pas une mitzvah de la Torah sur laquelle il n'y a pas eu 48 alliances, comme on vient de dire après. Shel sheshmeot elef, ou sheshet alafim, ou hameshmeot ou hameshim, puisqu'il y avait les ministres à l'époque qui comptaient le nombre de 603 550 adulte entre 20 et 60 ans. Ça, c'est ce qu'il a dit Rabbi Shimon ben Yehuda. Amar Rabbi. Il vient Rabbi, il dit, les devs de Rabbi Shimon ben Yehuda, Rabbi Shimon. Donc, selon Rabbi Shimon ben Yehuda, qui a dit au nom de Rabbi Shimon, En lecha kol misor misor shibatora, shelon nechdeto alea ben moshmoni bedeto sheshmeot, elef sheshmeot alefem hamashmeto hamishim. Donc, il n'y a pas une mitzvah pour laquelle il n'y a pas eu 48 alliances, concernant les 603 550 adultes d'Israël. Nimsa, il se trouve, le rôle Ehad Muhad Israël, Shishmeot Elef, Joshua Talavim, Mahmishmeot Ahamishim. Pour chaque juif, il y a eu 603 550, donc le nombre d'alliances, puisqu'on a répété ça à chacun, pour les 600 000, donc chacun il prend le nombre de tout le monde.
L'agma a dit, c'est quoi la différence entre ce qu'il a dit Rabbi Shimon ben Yehuda et Rabbi qui l'a rajouté? Amarav, Meshavshia, Arava, 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 Kabinaïhu. En fait, c'est la Aravut, c'est-à-dire, depuis que les ministres sont venus un garant de l'autre, c'est là où maintenant, au lieu d'avoir un chacun, donc 48 alliances, chacun il se trouve avec, donc, 603 550 alliances différentes. Darash Rabbi Yehuda ben Nachmani mit Targumani de Rabbi Shimon ben Lakish. Il vient Rabbi Yehuda ben Nachmani, qui est le Targuman de Rabbi Shimon ben Lakish, il dit Kol ha-parasha kula lo ne'emra ella be-no'ef ve-no'efet. Il dit en vérité, toute cette parasha que nous avons dans le parasha de Ketavu là-bas, qu'il y a marqué à propos, donc, les ministres et les sondages, en fait, tout cela, ça ne concerne que Noef et Noef, c'est-à-dire un homme qui va avec une femme mariée. Comment? L'agma a dit, Adon Haïch, elle pose une question. Adon Haïch, elle s'est assez fait selon ma séra, mais Romer. Ben, Adon Sagélé. Elle dit comment? Si vraiment, comme on le comprend, la Torah dit, maudit soit l'homme qui fait la Avodah Zarah. Quoi? Quand un homme, il fait la Avodah Zarah, il n'y a qu'une malédiction, c'est tout. C'est pas possible. C'est pour ça que Rishon Lakish, et Rabbi Yehuda ben Nachmani, qui est le Targum de Rishon Lakish, il dit non. On est obligé de dire qu'il s'agit de quoi? Et là, voilà le cas. Zehaba an ha'erva. Le holid ben. C'est un monsieur qui a été avec une femme interdite. Et Shetish. Il avait avec elle un enfant. Cet enfant, il est mabzer. Seulement, comme il ne peut pas se marier avec les Bnei Israël. Il est parti avec les Goïm. Et là-bas, il a fait l'Avodah Zarah. Sur ce, on dit, Adorin aviv et Moshe Zeshekar Gamulo. C'est pour ça qu'on dit, maudit soient les parents qui ont entraîné, donc, cette situation que l'enfant va faire l'Avodah Zarah. Donc, on comprend que l'Avodah, c'est pas lui-même qui a fait l'Avodah Zarah. Sinon, si c'est lui-même qui a fait l'Avodah Zarah, c'est pas suffisant d'être à haut. Il y a lapidation derrière. Tano Rabbanan, Hachamim disent, Benatatat ha-Beracha al-Had Gidezimot ha-Kelala v'Romer, Matamuduma. Il dit, étant donné que l'Agma pose une question, c'est marqué, et tu mettras la Beracha sur le Mont Gerizim et la Kelala sur le Mont Eval, Matamuduma, pourquoi tu répètes ça encore une fois? Im le lamet, c'était Beracha al-Gerizim et la Kelala al-Eval, Hadik Vande. Et moi, l'Agma dit, si c'est pour me dire que la bracha est sur le mont Gerizim et le Kazma, et ben, c'est déjà marqué. Eli Amdou le Baratam le Gerizim, Urdev Eli Amdou le Behar Eval. C'est déjà marqué. Pourquoi la Torah le répète une seconde fois la même chose? Ela le Hakdim Beracha le Klala. On m'a dit, en fait, c'est pour t'apprendre que quand on fera les bénédictions et malédictions, il faut commencer d'abord par les bénédictions en premier. Yachol yehio kol ha-berachot kodmot teflalot. Est-ce qu'on va dire alors dans ces cas-là, on va aligner toutes les bénédictions et après on fera suivre ça par toutes les malédictions? Talmudoma beracha uchlala. C'est pour ça la Torah l'a répété à des beracha uchlala pour dire beracha hat kodem teflalot. Ve'en kol ha-berachot kodmot teflalot. Non, chaque bénédiction, on a dit d'abord bénédiction, après le contraire malédiction, et ainsi de suite, une après l'autre. On ne fait pas toutes les bénédictions d'un coup, et après les malédictions. Et pourquoi on a dit bracha klala? C'est pour apprendre aussi un autre enseignement, qu'on compare les deux dans le sens où, de la même façon que la klala, les malédictions, ce sont les levim qui vont les formuler. La bracha aussi, ce sont les formulés, donc ils sont formulés par les Lévites. Uma kelala bekolam, af bracha bekolam. Et de la même façon que la kelala, elle va être à voix haute, comme c'est marqué, ve'anu halim ve'amedu, ve'anu, c'est à voix haute. Af bracha bekolam aussi, la bracha aussi sera dite à voix haute. Uma kelala belashon hakodesh, af bracha belashon hakodesh. Et de la même façon que la klala n'est dite qu'en hébreu, la malédiction, et bien la bracha aussi, la bénédiction ne sera dite qu'en hébreu. Uma klala bichlal ufrat, af bracha bichlal ufrat. De la même façon que la klala
On fait d'abord un klal, comme on a dit tout à l'heure, Baruch Asher Yaqim et Tedevrat Onazot. Eh bien, après on détaille les brachot un après l'autre. La klala, c'est la même chose. Enfin, on marque klala, Elo va Elo Onin ve Omrin, Amen. Abracha, Elo va Elo Onin ve Omrin, Amen. Eh bien, pour la malédiction, on a vu que c'est marqué ve Amruk l'Israël, Amen. Eh bien, pour les bénédictions, on aura la même chose. C'est le Hekesh qu'on apprend l'un de l'autre.